Like et abonne-toi si toi aussi tu regardes la vidéo avec tes yeux. Aujourd'hui, j'ai prétendu être une fille sexy pour Troll des Charros. Regardez la vidéo jusqu'à la fin car elle est vraiment incroyable. Objectif de 10 000 likes pour une partie 2. Abonnez-vous en activant la cloche car aux 150 000 abonnés, je vous réserve une très grosse surprise. Et n'oubliez pas le code SUPUGO pour pécho des jolies blondes. On est parti pour la première game, je pense qu'on est tombé sur un français, Ismaël. On va attendre qu'il mette son micro et on va commencer à lui dire bonjour. Salut. Salut, ça va? Oh les gars, il est français, parfait. On va lui dire oui. Oui. Maintenant on va lui demander où il veut aller. Tu veux aller où? À Corny. Ok. Il veut les gars aller à Cornysuc. T'as une belle voix, j'aime bien ta voix. Wesh, il commence déjà, on est tombé sur un charreau. Merci BG. Ouais. Il est gentil, on va lui demander s'il est célibataire. T'es célibataire? Ouais. Ok. Tu t'appelles Léa? Oui. Maintenant on va lui demander il vient d'où. Tu viens d'où? Paris. Mais c'est incroyable, c'est comme moi. Ok, il y a des mecs, on va l'aider. C'est un joli skin. Oh, il est trop gentil. On va lui dire qu'il est trop mignon. T'es mignon en vrai. Merci. Tu joues depuis quelle saison? Saison 3, c'est trop beau. Ok. Et toi? Saison 1. C'est fort. Oui, je te carie. Okay. On dirait qu'il s'en fout. On va lui demander il a quel âge. T'as quel âge? J'ai 15. Parce qu'il paraît il a 15 ans, mais... Juste, mon micro, il change de voix. À chaque fois, ça me met ma voix douce. À ce qu'il paraît, les gars, son micro lui change de voix et de base, bah, il a 15 ans, mais son micro lui fait une voix douce. Ça m'a l'air un peu bizarre. On va commencer, les gars, un peu à le charo, là. Je cherche un mec. Ouais. Je pense qu'il s'en fout. Je connais un mec qui a ton âge. Incroyable. Eh ben, c'est moi. Oh, charo, toi, t'es un vrai pointeur. Oh, le charo, c'est lui. Il veut se marier avec moi. On va lui dire qu'il est gris. T'es gris. Je suis trop chaude pour le top 1. Ouais, t'as une belle pioche. Moi, j'ai pas de pioche très grave. Oh, il est trop gentil. Il dit que j'ai tout de beau. Merci BG. Ah, j'ai envie de lui faire un cœur. Oh, il me fait un bisou. J'aime bien. On va lui demander, il fait quoi dans la vie? À part ça, tu fais quoi dans la vie? Hier, j'ai dessiné Naruto. Et aujourd'hui, j'ai dessiné Nezuko. Trop stylé. Ok, moi, je fréquente des hommes riches. Ah. Il bégaye. Est-ce que les gars, si je lui demande son snap, il va me le donner? Parce qu'à 15 ans, d'office, on a un snap. Hein. C'est quoi ton snap? Moi, c'est Ismaël. Oh, il me l'a donné, c'est un malade. Comme il nous a donné son snap, on va donner le nôtre. Mon snap, c'est lea.062. Ok. Merci. Il a dit merci, ça veut dire qu'il va m'ajouter. On va lui dire je t'aime pour voir sa réaction. Je t'aime. Moi aussi. Oh, il a dit moi aussi. C'est incroyable. Mort. Ils sont forts. Faut tryhard. Mais y'en a combien de mecs là? Y'a trop de mecs. Bruh. Non, je suis mort. Putain, je suis morte. Oh, GG quand même. Bon les gars, on va l'ajouter en ami. On va un peu essayer de le draguer dans le lobby. J'ai passé une très bonne game avec toi. Oh, il est trop gentil. Merci BG. Ouais. T'avais dit quoi aux hommes riches tout à l'heure? Oh là là, il demande de par rapport aux hommes riches. Et j'avais dit quoi? On va lui redire la phrase. Moi, je fréquente des hommes riches. Moi, j'ai une chaîne en or, mais je porte beaucoup chaîne en or, par contre. Mais il est malade, il vient de dire qu'il avait des chaînes en or et qu'il en portait beaucoup. Je pense que Ismaël croit que je suis une michto et qu'il veut m'attirer avec son argent. On va lui dire qu'il est mignon. T'es mignon en vrai. Toi aussi. Oh, trop gentil. T'es rentré dans mon cœur. Du coup là, je dois ajouter sur Snap. Oui. Et je t'envoie une lettre d'amour. Ah, je dois manger. Ciao, à tout à l'heure. Et il a quitté. Salut. La petite fille. Mais tu buzz. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va. Oui. Léa, la coquine. Ta voix, on dirait un garçon. Ta gueule. Ah, t'as dit quoi là? Je sais pas. Soit tu fermes un peu ta gueule, soit on t'exclut, voilà. T'es célibataire? Je suis célibataire et tu veux quoi? Je cherche un mec. Oh! Est-ce que là tu me pointes pour me marier là? Non. Léa la coquine, t'as quel âge? J'ai 17 ans. Tu veux embraser un 11 ans? T'es mignon en vrai. Ok, je veux bien être ton mari, mais si tu me bats, on a rien. C'est un jeu dangereux, mais c'est un jeu qui me plaît. Si tu me bats pas, bah on sera jamais mariés. Ok. Mais c'est des malades les potes. Madou il a dit que si je le battais en 1v1, je devenais sa femme, alors qu'en vrai je suis un mec. On pécho pas des mecs, nous. Je n'ai rien contre les homosexuels, hein. On les aime, mais c'est contre nature. Hein. T'es gris. T'abuses là. Donne-moi ton Insta d'abord. Ça ira mieux. Oh, il demande mon Instagram. C'est quoi ton Snap? J'en ai pas. Snap, c'est pour les fillettes comme toi. Attends, mais pour des vrais, t'es vraiment une fille? Non, moi j'ai pas envie de fermer ma gueule. Disons, je suis pas un requin. Mais prêt, Léon, si tu veux me marier avec moi. Oui. C'est parti pour le 1v1. Et ce qu'il sait pas, c'est que je suis un mec et il croit que je suis une meuf ultra belle. Et en plus, je vais d'office le chiton avec mon level de malade. Et malheureusement, aujourd'hui, ce Pugo va pas pécho une jolie blonde. Il va pécho un joli blond. Le premier à trop. Tu aimes qui entre nous deux? Je sais pas. T'es mignon en vrai. Moi? Oui. On prend un espace légendaire et escar légendaire. Ok. Tu vois tes édits? Ta gueule. Non, je suis pas un requin. Il me tue de rire. Mais il a mis de la musique. Crac. T'es un robot. Elle t'a battu. Léa, va dans le canal du jeu. Non. D'accord. Non.
Mais frère, mais je vais pas la laisser gagner cette fois. Allez, un dernier kill pour toi et tu mourras. Si je le tue une dernière fois, les gars, je suis son mari. Oh non, allez, un dernier kill, s'il te plaît, vu que t'es trop fort. Merci, BG. Oh là là, je les chitonne. À part ça, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis dans un club de foot, je suis en Ligue de Champions et je vais faire un match demain contre Paris. Ok. Et Léa, t'as quel âge? J'ai 17 ans. J'espère de pas être ton amoureux. Moi, je suis célibataire. Bah, comme moi. Et toi, t'as 17 ans, je sais que l'âge, ça compte pas pour l'amour. Moi, je me marie qu'avec ceux de mon âge, tu vois? Qu'est-ce que je veux dire? Non. Et si tu m'envoies une photo sur message, je vais voir si t'es belle ou pas. Juste pour te prévenir, Madou, elle t'aime. Léa, est-ce que t'aimes Madou Jaloux? Oui. Et en fait, à chaque fois qu'elle dit que je aime quelqu'un, bah... Et quand on dit non, bah, elle aime quelqu'un d'autre. Et là, on est d'accord qu'elle fait esprit, hein. Ta gueule. Eh, soit tu fermes ta putain de gueule, soit t'es exclu, d'accord? Alors ferme ta gueule, t'es une putain de connasse. Ah! Mais il est trop méchant! Ils m'ont viré, les bâtards! Allô? Il est venu dans mon canal, ce gros charreau. Léa, Nathan, il t'a demandé t'es amoureux de qui? Oh, je sais pas quoi répondre. Léa, est-ce que t'es amoureux de moi? Oui. Est-ce que t'es bourré? Non, je t'aime. Est-ce que t'aimes Nathan? Non. Est-ce que tu peux m'accepter un ami, s'il te plaît? J'ai réussi à pécho. Hop là, on accepte. Les deux, ils m'aiment. Tu l'aimes toujours ou pas, Nathan? On va lui dire non. Non. Tu l'aimes toujours, Nathan, ou pas? Je t'aime. Non, mais à Nathan, est-ce que tu l'aimes, Nathan? Non. Oh, le pauvre Nathan, il va pleurer. Léa, Nathan, il a dit il t'aime de tout ton cœur. Ok. Et tu l'aimes toujours ou pas? Oui, putain, je suis morte. Et frère, t'es nul. Je suis trop belle. Envoie-moi sur message privé ta tête et voilà, je vais dire si on peut être marié. Non. T'as quelle couleur comme yeux? Je sais pas. Est-ce que tes cheveux, ils sont quelle couleur? Elle m'a touché. Bah, elle est forte, c'est pour ça qu'elle te pioche. Merci, BG. Attends, est-ce que tu m'aimes vraiment, Léa? Oui. Tu choisis qui en amoureux? Moi ou Madou? Je sais pas. T'es obligé d'en choisir un. T'es mignon, en vrai. Ils se doutent de rien, les gens. Tu sais, Léa va m'envoyer un snap un jour. Non, je rigole. J'aime pas snap. Léa, Léa, copine. T'as tué ma copine? Bah attends, je te tue. Les gars, maintenant, on va les troller encore plus et on va faire genre que le grand frère de Léa arrive et on va les engueuler comme pas possible. Allô, les charros? C'est Léa? Non, c'est pas Léa, là, c'est le grand frère de Léa. Léa, là, elle vient me voir, elle est triste et tout, parce qu'il paraît, il y a des charros, ils veulent la draguer, ils veulent se marier avec. Non, c'est elle qui nous a proposé. Elle nous a dit, elle voulait nous embrasser, je te le jure. Et moi, je l'ai dit qu'elle arrête avec ça, elle aime trop les mecs, elle. Elle m'a dit, veux-tu m'épouser? Bah, j'ai dit non. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu parler bizarrement. Elle a voulu me pécho. Elle a vraiment voulu pécho? Bah oui. Est-ce que t'as des preuves? Bah oui, j'ai des preuves. T'as qu'à lui demander. Par contre, moi, je voulais pas l'embrasser au début, hein. Ouais, mais après, elle m'a dit que je voulais l'embrasser avec la langue, etc. Du coup, voilà quoi, elle a eu un peu peur. Pardon? C'est pas vrai. Les gars, je vais vous laisser. Je vais aller parler avec ma soeur parce qu'elle fait trop de bêtises en ce moment. Je veux dire, est-ce que ta soeur elle est bourrée? Bon allez, salut les mecs et plus de bêtises avec Léa. Like et abonne-toi pour la partie 2.